Et bienvenue dans ce débrief des conférences constructeurs et éditeurs de cet E3 2015 qui a commencé aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc mercredi 17 juin 2015. C'est précis, ouais, assez. Donc pour commencer, je précise que je ne vais pas revenir sur l'ensemble des conférences, minute par minute en tout cas, mais simplement sur les annonces majeures et qui m'ont intéressé. Ensuite, je donnerai sûrement un avis global sur ce que j'ai pensé de la conférence en elle-même, enfin des conférences en elle-même. Allez, on est parti, on commence avec la conférence Bethesda. Alors Bethesda, j'en attendais beaucoup de Fallout 4. Le premier trailer qu'on avait vu quelques jours avant m'avait pas forcément fait une bonne impression à cause des animations un peu à chier du personnage. Et l'univers peut-être un peu trop coloré par rapport à ce que je connais de Fallout. J'ai joué au premier, au 3 et à New Vegas. J'ai pas encore fait le 2, mais c'est prévu. Alors, ils ont commencé par Doom. Je retiens Doom parce que même si j'ai jamais joué au 3, j'ai dû tâter le premier il y a des années, histoire de voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas forcément accroché. Et oui, parce que je suis pas très fan des FPS de base. Alors les vieux FPS, c'est vrai que je suis encore moins fan, mais bon, ça c'est comme ça. Donc Doom, c'était assez impressionnant au niveau de la fluidité du truc. Et puis les armes bien destructrices quand même, fusil à pompe, tout ça. Donc ouais, c'était plutôt impressionnant, mais après je sais que ça m'intéressera pas plus que ça. Mais c'était intéressant. Ensuite ils ont passé à Fallout 4 directement, je crois. Alors ah oui, parce que j'ai pas vu la conférence en direct. Je l'ai regardé, non je l'ai même pas regardé en fait, j'ai juste suivi les news pour le coup. Celle-là j'avais pas forcément envie de la revoir. J'ai juste regardé les moments intéressants quoi en gros. Donc ouais, ils sont passés à Fallout après du coup. Alors ils nous ont montré du gameplay d'avant-guerre avec la création de personnages qui a enfin amélioré, ils ont enfin changé pas mal d'aspects. C'est plus joli au niveau des visages, alors je trouve que c'est pas si beau que ça, mais bon, voilà, au moins c'est pas du pipeau comme Ubisoft ou Square Enix quand ils montent des choses, ou même Sony. Donc c'est plutôt cool. La création intéressante, on peut jouer un homme ou une femme, voilà, ça c'est classique. Et par contre, on joue l'avant-guerre, ouais, on joue à l'avant-guerre avant que ça se passe. En fait, on va être en plein milieu, on va fuir après, bref. Tout ça c'était assez intéressant, mais une fois qu'on a été dans le futur, on se réveille 200 ans plus tard. Alors, par une explication, je suppose, très logique, hein. Donc on se réveille et là on voit le monde. Alors apparemment on retrouve notre robot d'il y a 200 ans, l'air de rien, comme ça, tranquille. Donc ça m'a un peu fait ouais bof. Et le chien c'est pareil. Le chien, j'adhère pas. Alors en plus ils annonçaient qu'il pourrait pas mourir et que visiblement c'était beaucoup plus qu'optionnel du coup. Donc ça me fait un peu chier. J'ai pas envie de chien. Dans Fallout 3 j'ai pas pris Canigou parce que j'en avais un peu rien à foutre. Donc là ça va être pareil, mais ça me déçoit un petit peu du coup que ce soit obligatoire limite. J'espère que si on le trouve pas ou si on lui demande de pas venir avec nous, peut-être ça va changer les choses, mais en tous les cas moi ça m'intéresse pas. Ah oui, détail important, c'est que le personnage parle. Alors, très très grosse nouveauté chez Bethesda et pas Bethesda. Chez Bethesda, hein, on va y arriver quand même. Le personnage parle. Et ça c'est cool, parce que les personnages muets, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Des fois ça me dérange moins, genre dans Skyrim, Oblivion, tout ça, bon, on fait avec. Mais là, ouais, c'est plutôt cool. Pardon. Et il parle, les choix sont un peu différents par rapport à ceux d'avant, dans la façon dont c'est mis. Ça fait plus penser un peu à Mass Effect, entre guillemets.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu de Fallout? Du craft. Ça, c'était très très intéressant de pouvoir crafter carrément les maisons, tout ça, de construire. Est-ce qu'on va pouvoir carrément construire la ville, une ville, une grosse ville ou un truc comme ça? On va voir. Est-ce qu'il y a carrément un truc économique qu'on va pouvoir rameuter des gens? Déjà, on va pouvoir se battre contre des invasions de riders et tout. Donc, ouais, c'était plutôt cool. Donc ça sort le 10 novembre 2015. Et du coup, ça m'a bien bien intéressé, même si je trouve que les animations sont merdiques, complètement hachées, tout ça. Et le chien aussi est assez dégueulasse au niveau des textures. Mais globalement, Fallout 4, c'est pas un jeu qui va claquer graphiquement, mais je pense que s'ils reprennent des éléments de New Vegas, comme le karma, la réputation et tout le bordel, ça devrait primer sur les graphismes très facilement. Ensuite, ils ont annoncé Dishonored 2. J'ai pas joué au 1. Ah si, j'y ai joué, mais pas suffisamment pour donner un avis ou quoi que ce soit, ou même pour m'en souvenir. Même un petit peu, j'y ai pas joué longtemps. Donc Dishonored 2, ça m'intéresse parce que le 1 m'intéresse. Et du coup, ils ont aussi annoncé Dishonored de définitive édition, donc avec le DLC machin sur PS4 et One. Donc bah, je me le prendrai, je rattraperai sûrement mon retard avec ce jeu. Et ça, voilà. Après Dishonored 2, donc on jouera avec une femme. Alors je sais pas s'il y a Corvo. Mais en tout cas, je sais que là, c'était une femme qu'on nous montrait. Alors, je crois qu'elle s'appelle Emily Caldwin et que c'est une meuf du 1. Donc, je me fais spoil. Mais c'est pas grave. Après, ils ont annoncé Legends ou je sais pas quoi, un jeu de cartes de The Elder Scrolls. Et puis Fallout Shelter, un jeu mobile. J'ai pas trop suivi ce que c'était. Ensuite, la conférence Microsoft. Alors, pour Bethesda, je l'ai pas vu, donc je vais pas dire si c'était bien ou pourri ou quoi. J'ai pas suivi le show, je sais pas si les gens étaient ravis, mais d'après ce que j'ai compris, Doom il a fait vraiment vraiment grand bruit, de même que Fallout 4, donc je suppose que c'était une bonne conférence. Ils ont l'air de s'être attardés surtout ces deux gros jeux, donc pourquoi pas. Microsoft, là j'ai pu la suivre en direct. C'est la seule que j'ai. Non, c'est pas la seule, mais c'est la seule conférence Ah bah pardon, décidément. La seule conférence que j'ai pu suivre des gros éditeurs et constructeurs. Mais on s'en fout. Donc Microsoft. Il a annoncé. Non, il n'a pas annoncé. Il a mis une vidéo directe d'Halo 5 Guardians que j'attends vachement. Je rattrape carrément mon retard en fait avec la série Halo que je connaissais déjà depuis le premier épisode, mais j'y ai jamais pu jouer parce que j'avais pas la Xbox, j'avais la PS2. Donc du coup, j'ai loupé la série, mais là, comme j'ai une Xbox et une 360, je rattrape tout ça. J'en suis à la 2, à Halo 2, Halo 2. Putain, je sais pas parler aujourd'hui. Et j'ai plutôt bien apprécié le 1 et le 2, je l'aime déjà plus que le 1. Donc voilà. Donc Halo 5 Guardians, c'était pas trop mal, mais ça m'a pas enthousiasmé parce que je trouve que la séquence qu'ils ont montrée n'était pas superbe quoi. Mais bon, je sais qu'il y a d'autres intérêts, donc ça me voilà. Et puis c'est un gros jeu, tout ça. Revoir le Master Chief. Bon, je sais qu'il y a des choses qui déçoivent dans ce qu'ils ont annoncé, du genre pas de cop en splitté. Moi qui suis un joueur solo, bah je m'en fous un peu, mais c'est vrai que c'était une des grosses features de la série de base. Donc c'est plutôt dommage, mais bon. Après, ils ont annoncé un nouveau jeu, une nouvelle IP par Keiji Inafune et des anciens de Metroid Prime apparemment. Et ça s'appelle Record.
Ricor, ouais, c'est ça. Alors, c'était juste un trailer. Alors, CG, game, in-game ou in-engine, je sais pas trop si c'était. À mon avis, c'était une in-engine, mais on n'est jamais trop sûr avec le 3. On sait pas grand chose sur le jeu non plus, on sait juste que ça se passe visiblement dans un univers assez désertique, assez post-apo, avec une héroïne qui a un espèce de chien robot, qui possède des orbes en fait, hein. Il y a des gros orbes sous le chien et visiblement dans les ennemis aussi, qu'on va pouvoir récupérer et placer dans d'autres robots qui. Et du coup ça peut peut-être garder la personnalité du robot. Genre dans la vidéo le chien se sacrifiait pour sauver sa maîtresse et elle récupérait son orbe rouge qu'elle le foutait dans un robot qu'elle avait juste trouvé comme ça. Et là d'un seul coup hop, c'est comme s'il il était là à nouveau. Donc à surveiller, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de gameplay. J'aurais bien aimé savoir c'était quoi, parce que ça se trouve ce sera un vieux FPS, voilà, comme ça, bien pampan et tout, donc ce sera à dégager de ma liste. Après ils ont annoncé Dark Souls 3, alors même si c'était pas une surprise, le voir comme ça en CG, c'était génial, l'univers a l'air de claquer, enfin Dark Souls c'est Dark Souls, c'est le meilleur jeu du monde avec Bloodborne, donc forcément. Ce sont mes BGE, donc j'en attends beaucoup, 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 beaucoup. Mais par contre, d'après ce que j'ai lu, ça devrait ressembler à Dark Souls 2, qui était quand même le moins bon des Souls, même si c'était génial, c'était le moins bon. Et je crois qu'il est juste supervisé aussi par Miyazaki. Ça m'emmerde. Mais on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, j'ai hâte d'en apprendre plus, de voir une vraie séance de gameplay aussi, séquence de gameplay. Parce que là, on nous a juste montré un trailer CGI, donc c'est intéressant, mais je veux voir du gameplay. Après, je crois qu'il y a eu une compilation de jeux indés. Il y en a 2-3 que j'ai retenu, mais je sais plus les noms. Et par contre, il y en a un que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus, c'est Cuphead. Ça a l'air mais génial. Ça me fait trop penser au film d'animation Disney d'avant, genre là de Steamboat Willy. C'était vraiment cool de voir ça. Ça a l'air déjanté, la mise en scène a l'air de péter. Enfin, ça a l'air vraiment super cool comme jeu. Et s'il y en a bien un jeu que je dois retenir de cette conférence, en plus de Dark Souls 3, mais on l'a pas vu donc je le compte pas trop, ce serait Cuphead, parce que ça a vraiment l'air délirant, jouissif, tout ça, donc ouais, celui-là, je pense que voilà, le jour où j'ai la One, il passe. S'il sort que sur One, je me souviens plus, il doit sortir sur PC aussi, mais je sais pas s'il sortira sur PS4. En tous les cas, c'est une putain de tuerie. Ils ont montré du Rise of the Tomb Raider, que j'attendais vraiment beaucoup aussi, parce que je fais partie de ceux qui ont adoré le reboot, en fait. Pour plein de raisons, mais du coup celui-là je l'attendais évidemment. Un peu déçu parce que la séquence de gameplay c'était vraiment que du script, et surtout c'était du Uncharted like, du genre je suis Nathan Drake et quand je marche le monde s'écroule quoi. Ça m'a un peu gavé parce que Lara Croft normalement c'est pas quelqu'un qui a la poisse comme ça, genre c'est bon, attends une crevasse, il y a 40 trucs qui lui tombent sur la gueule, tout ça. Là, c'était un peu ce que j'ai vu, donc c'était un peu dommage. Après, le jeu est plutôt beau, même s'il est pas impressionnant non plus. C'est pas une grosse claque, mais il est beau. Lara est bien foutue aussi. Voilà, il y a. Je pense que ça va être un bon jeu. Mais là, ils auraient pas dû montrer une séquence comme ça. Enfin. Je sais pas, moi ce genre de séquence, ça me fait juste chier de voir que dès qu'on va avoir un pont ou quoi que ce soit, comme dans Uncharted, ça va s'écrouler parce que crap quoi. Voilà, c'est ça. Et ça c'est problématique. Ensuite, ils ont parlé de la rétrocompatibilité de la One sur les jeux 360. Ça m'a bien fait rire.
Alors c'est cool comme nouvelle, mais je me souviens qu'à l'époque où Sony avait annoncé sa PS4 et qui avait dit voilà nous pour prêter votre jeu, voilà c'est comme ça que ça se marche pour jouer un jeu PS4 chez un pote machin, enfin voilà vous prêtez les jeux, nous on n'a pas de connexion obligatoire et tout le bordel. Et les salles, la salle avait applaudi pour des trucs finalement qui étaient qui étaient logiques. Hein, et là, les gens ont aussi applaudi pour quelque chose qui aurait dû être fait depuis le début, comme sur PS4 d'ailleurs, que ça aurait dû être fait. Et ouais, je pige pas bien le principe d'applaudir un truc qui aurait dû être fait, surtout que là, du coup, ce qu'on a appris, c'est que ça va prendre de la place juste sur le disque dur, parce que quand vous mettrez le CD de 360 dans la One, ça va simplement... mettre une version des maths sur la Xbox One de votre jeu, donc vous aurez même plus besoin du CD finalement, et puis ça va prendre de la place sur le disque dur, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont lancé une One à 1 TO de disque dur. Mais après ça reste cool comme feature, mais il n'y a pas de quoi s'extasier non plus. C'est comme la PS4 quand elle a dit qu'elle n'aurait pas d'anti-occasion et qu'elle ferait pas la collection obligatoire. Après, ils nous ont mis la carotte du PS Plus, faut pas l'oublier. Donc là, il n'y a pas de carotte a priori, à part sur du coup que ce sera une version des maths à chaque fois qu'on mettra le jeu 360 et qu'il n'y a pas tous les jeux pour l'instant qui fonctionnent dessus. Mais voilà, donc je comprends pas pourquoi c'est applaudi comme ça. Mais soit, pourquoi pas. Ensuite, on a vu quoi ? Du Gears Ultimate Edition. Donc après avoir annoncé que les jeux 360 allaient marcher sur la One, on nous annonce un remaster intelligent. Et puis c'est applaudi aussi, parce que les remasters c'est pas bien, sauf quand c'est des gros jeux comme The Last of Us ou Gears of War. Alors qu'on me dise la Master Chief Collection, ça vaut le coup, clairement. Ouais, clairement. Il y a toute la série dedans, voilà, il n'y a pas à chier, il n'y a rien à dire dessus, c'était du grand moment, voilà. Mais là, dans Gears of War Ultimate Edition, il n'y a que Gears of War 1. En 1080p, 60 fps, ça c'est bien. On voit que les consoles next-gen, enfin les consoles de cette génération du coup, sont capables d'afficher leurs promesses, donc du 1080p et du 60 fps, qu'avec des jeux de l'ancienne génération. Bravo. Ça, bravo. En attendant, on attend vraiment des jeux très très beaux et très très fluides. Mais bon. Donc ouais, après ils ont dit qu'il y aurait du multi dessus, qu'il y aurait tous les trucs de Gears 3, Gears 2 ou je sais pas quoi, enfin j'en avais un peu rien à faire. J'ai joué qu'à Gears 2, et c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Mais par contre après ils ont annoncé Gears 4, alors c'est pas Gears of War 4, c'est juste Gears 4. Il est plutôt beau. Mais par contre, ça ressemble vraiment à du Gears d'avant, et même dans les animations. J'ai halluciné parce que, au niveau animation, c'est la même chose que les 4 derniers avec Judgment. Que les 4 derniers Gears. Il faudrait peut-être se bouger le cul et faire autre chose que les mêmes animations. C'est quoi ce délire ? Enfin, je comprends pas là, c'est. Ouais non, faut changer quoi, on a passé un cap, on peut faire un mec qui court normalement et pas qui se baisse en même temps et quel cul serré quoi. Donc ça ressemble vraiment à du Gears un peu trop et mais c'est beau, la tempête là qu'on voyait, la tornade, tout ça, c'est super beau quoi. C'est vrai que c'était impressionnant. Après il y a une poussée, il y en a eu Yun aussi. Ah oui, ça c'était avant. Yun, c'est un nouveau jeu par le créateur de DayZ, du mode DayZ, là, enfin qui est devenu un jeu. Et il a l'air plutôt intéressant. Je me suis pas renseigné voir après s'il y avait d'autres choses d'annoncer dessus, mais ça a l'air plutôt cool. En plus, un jeu dans l'espace, donc forcément c'est cool. Et ils ont annoncé aussi l'arrivée de l'Early Access. Désolé. Sur la One. Cette conférence que je dois en retenir,
je me suis pas fait chier. Ils ont pas passé de temps à parler des chiffres, des machins, tout ça, enfin tout ce qui ont que les gens s'en foutent. Ils ont l'air d'avoir compris. C'était plutôt une bonne conférence, hein. Il y avait du jeu, il y avait de la nouvelle licence. Alors oui, j'ai pas parlé de Rare, mais pourquoi j'ai pas parlé de Rare? Parce que la compilation de 30 jeux, bah voilà, c'est cool, mais bon, j'ai envie de dire 30 ans, 30 jeux, 30 ROM stations, quoi. Donc, non, c'est pas bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est... ça peut faire plaisir, hein, voilà. En plus, c'est en boîte, donc c'est pas juste une compile en démat, donc c'est cool. Et puis leur vrai nouveau jeu, Sea of Thieves, ça par contre, bah, j'ai pas accroché. Au départ, j'étais chaud et finalement, bah, j'étais déçu parce que c'était en vue FPS. Alors j'ai un gros problème avec la vue FPS, sauf quand c'est vraiment justifié. Là, j'ai pas l'impression que ce soit très très justifié. En plus, c'est plutôt axé multi, je suis plutôt solo. Et les bateaux, tout ça, bah j'ai déjà tout vu avec AC4, quoi. Donc, ouais, je vois pas bien le truc. Puis l'univers, en fait, ça m'a fait penser au jeu des anciens de Rare qu'ils ont kickstarté. Alors, je sais plus le nom, Yokoa, je sais quoi, là, enfin, qui lui, par contre, m'intéresse un peu plus que, bah, que ce que fait Rare maintenant. Donc ouais, ce jeu là je l'ai pas retenu, mais au moins ils font pas du Kinect, donc ils ont enfin compris que ces mecs là ils avaient quand même du talent. Ouais, donc bonne conférence, bonne conférence, et puis voilà, Forza machin, on a eu les trucs habituels, hein. Ah oui, il y a eu l'HoloLens, mais c'est une technologie bizarrement qui ne m'attire absolument pas. Je préfère les casques VR pour le coup. Bon, il y en avait un, mais la technologie en elle-même, même si c'est impressionnant, ça me parle pas. Ça, j'arrive pas à avoir vraiment l'intérêt de ça. Là, ils ont montré en plus sur Minecraft et j'ai pas, non, c'était pas, non, ça m'a pas bluffé. Ça m'a pas bluffé. Ensuite, on va passer aux autres conférences. Yeah, Ubisoft, Sony, les trois qui étaient juste après. Alors je les ai loupés parce que forcément Sony, quand ils ont commencé leur conférence, j'étais au boulot. Donc c'est super. Donc du coup j'ai tout loupé. Mais visiblement pour EA, j'avais pas loupé grand chose. Alors je les ai revus après en replay sans me spoiler ni rien. Je suis direct allé sur YouTube et j'ai tapé les conférences replay. Ça m'a pas spoilé ni rien. Donc j'étais plutôt content, surtout de voir ce qui m'attendait. La conférence EA, je les ai pas regardés dans ce temps là. J'ai tout de suite été plongé dans la conférence Sony, mais je vais faire dans le bon ordre quand même. La conférence EA, ils ont commencé avec du Mass Effect Andromeda, donc Mass Effect 4, mais qui s'appelle pas 4. C'est bien la suite de Mass Effect 3, on joue pas avec Shepard, logique, et ça se passe longtemps après, et très 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 lointain. Apparemment, c'est vraiment très loin dans l'univers, donc du coup, ça permettra peut-être... d'éviter le « oui, il s'est passé ça », du temps de Shepard, machin, tout ça, et de faire venir des nouveaux joueurs, tout simplement, de ceux qui n'ont pas fait la trilogie Mass Effect, de se dire « non mais venez les gars, c'est pas grave si vous l'avez pas fait, regardez, c'est carrément loin, il n'y a pas trop de liens, donc allez-y, foncez, achetez mon jeu ». Moi ça me plaît, Mass Effect c'est une saga que j'adore, donc c'est plutôt chouette, mais... avec un trailer, et apparemment le personnage qu'on voit dessus, ce sera même pas le celui notre héros, quoi. Donc bon, après j'ai vu le jeu qui m'a attiré, Unravel, mais ce qui m'a plus choqué en fait, c'est le mec qui a présenté. Il était hyper stressé, hyper intimidé, il faisait limite pitié, mais pas dans le sens « putain, il fait pitié ce mec ». Non, plutôt « vas-y, mais t'inquiète, sois courageux, vas-y, donne ton jeu, il a l'air bien ». Voilà quoi, il était vachement ému le gars,
Mais ouais, c'était bizarre de voir ça sur une conférence. Enfin, d'habitude, les gars, ils sont un peu plus. Ouais, genre, regardez mon jeu, ça va être trop bien. Là, lui, il était vraiment très humble et tout, très intimidé, quoi. Donc, il a de quoi être fier de son jeu parce qu'il a l'air plutôt sympa. Joli, avec la musique qui claquait pas mal. Et puis, ouais, alors, on jouait avec une espèce de petit bonhomme avec une sorte de fil, là, qui a une tige qui. Balade et tout, c'est de la plateforme et tout, peut-être énigme en même temps, enfin ouais, je le sens bien ce petit jeu. Après, ils ont passé 40 minutes sur les jeux de sport. Comme je suis pas jeu de sport, bah j'ai tout passé. Ça, c'est l'avantage avec le replay, j'ai pu tout passer. C'était cool et je suis arrivé sur du Star Wars Battlefront. Bah, j'ai adoré moi les deux premiers, mais alors là, celui-là il me hype pas du tout. Parce que c'est que du multi. Alors d'après ce que j'ai vu, on va pouvoir faire en solo quand même les trucs. Mais il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de bataille spatiale. Chut, en DLC peut-être. Mais ouais, non, ça m'a pas du tout hypé le gameplay. Je crois que je laisse tomber Battlefront. Je passe à autre chose. Après, ils ont montré aussi un superbe trailer en CGI de Star Wars The Old Republic. Alors, ça s'appelle Knights of the Fallen Empire. C'est leur nouvelle extension. Et ça claque, quoi. Celui-là, il claque vraiment. Faudrait vraiment que je m'y mette à ce jeu parce que ça me fait penser à KOTOR un peu. Donc voilà, faudra vraiment que je m'y mette. En tout cas, c'était vraiment super impressionnant comme trailer. Et c'est le quatrième qu'ils font d'ailleurs, et c'est toujours aussi bon. On a vu du Mirror's Edge que j'ai loupé la gêne précédente. Et pourtant, c'était un jeu dès les débuts qui me hypait, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais sauté le pas. Et ça se rattrape pas. Et avec ce Mirror's Edge Catalyst, ça a l'air pas mal, hein. Monde ouvert, pas de chargement, visiblement dans. Pas vraiment de niveau, quoi, en gros, ça va vraiment être un truc. On se balade et tout, on trouve Faith, ça va être plus personnel, un peu plus sombre apparemment, tout ça. Enfin, moi j'ai kiffé le peu de gameplay qu'on nous a fait voir. Et c'était cool. Par contre, du coup, ouais, la confier, c'est tout ce que j'en ai retenu. Ça va pas. Voilà, j'ai trouvé que c'était une mauvaise conférence. Pas beaucoup d'annonces, trop de blabla sur les jeux de sport. Là, je crois qu'il y a eu Plantes versus Zombies aussi, là, mais il y avait déjà eu chez Microsoft. Et ça, c'est pas un jeu qui me botte. Ouais, donc confié, je me suis fait un peu chier. J'étais content de pouvoir passer les 40 minutes là de blabla sur le sport. Voilà. Alors ensuite, la confubie, comme chaque année depuis Watch Dogs, j'attends une claque. J'attends une claque, que ce soit graphique et si possible non downgradé par la suite, mais bon, ça c'est Ubi. Ubi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu South Park The Fractured Butthole d'annoncer, donc la suite de The Stick of Truth. Je suis comme Yves Guillemot, quoi. Je parle en anglais merdique avec un putain d'accent bien frenchy. Donc ouais, South Park, j'ai loupé le premier épisode. Je le ferai un jour parce que c'était Obsidian qui l'a fait et j'aime bien cette boîte. Par contre, du coup, ce nouveau South Park, c'est pas eux, c'est Ubisoft San Francisco, je crois. Francisco. Qu'ils le font, donc je sais pas. Mais bon, ça risque d'être marrant. Après, Guillemot est venu et puis il nous a dit voilà, nouvelle IP. Un trailer en CG, super beau, machin, et puis For Honor, voilà. Donc là, ça m'a bien hypé, parce que trois époques, médiéval, les vikings, et puis... alors, le bruit que vous entendez, c'est le chat qui fait ses griffes, donc sur un machin. Donc vous en faites pas. Donc du coup, tu vas te calmer, le chat, là.
Du coup, For Honor, ouais, donc trois univers, médiéval, viking et japonais. Donc ça hype le truc, mais carrément quoi. Et là, on nous montre du gameplay, et puis bah ma hype, elle est partie. Mais comme ça, elle est venue, elle est partie. C'est du multi, encore. Et cette fois, j'ai pas l'impression qu'on nous ait bluffé niveau graphisme. Quand on voit le in-game, on voit que voilà, ça a pas l'air d'être du pipeau. C'est beau, mais sans plus. Et donc, s'il y a quelques batailles de masse, entre guillemets, et surtout, ils misent sur l'aspect genre réaliste des combats quand on est à 1 contre 1, ou même 2 contre 2, du coup, puisque on va pouvoir se battre à 4 contre 4, je crois. Même 8 versus 8, mais je suis pas sûr. Je sais pas quoi en penser, parce que si c'est pas que multi, il y a des chances pour que ça m'intéresse encore. Mais si c'est que ça, bah non. Puis mélanger tous les univers, finalement, moi je crois que ce serait pas mélangé à ce point. Mais mélanger tous les univers, mais je sais pas. Faut voir les prochaines vidéos et voir si c'est vraiment que multi ou pas. Après, il y a eu du The Division, donc ça c'est un jeu qui m'intéresse depuis 2013, depuis la claque. Alors oui, il est moins beau qu'avant, il est clairement bien downgradé ce jeu, mais il reste toujours intéressant dans ses mécaniques de gameplay. Un putain de MMO RPG TPS, dans une ville. Même le monde, je sais même pas où ça se... infecté par je ne sais quoi. Je ne suis pas assez renseigné sur ce jeu, en fait. Je l'attends, mais je veux voir que des baffes à chaque fois qu'on met des petites claques dans la gueule graphique. Ça arrive à chaque fois, mais en fait, le jeu, je dois pas l'attendre plus que ça. Et pourtant, il sort le 8 mars 2016, là. Donc, c'est pas si lointain que ça. Après tout, ça passe vite. Hein. Et donc ce jeu, par contre là, ils nous ont montré la Dark Zone, là où il y a le plus de loot à se faire visiblement, mais où c'est aussi contaminé, il y a des gangs, tout ça. C'était impressionnant ce qu'ils nous ont montré avec le fait de pouvoir trahir ses coéquipiers comme ça. Ça c'est chouette, ça risque de rendre les raids vraiment, vraiment bien... bien sur tension là, à se demander si on va pas se prendre une balle au dos par notre équipier. Et ouais, il y a des stratégies à se faire du coup là-dessus, à prendre en compte des clans, des machins, des traits, la trahison. Et ouais, il y a beaucoup de choses à se faire là-dessus. Je pense que ce jeu est vraiment à attendre. Ubisoft, il a parlé ensuite de Just Dance, Rainbow Six Siege. Ça ne m'intéresse pas. Et après, enfin, en fin de conférence, Yves qui revient et puis qui nous dit ouais, une petite surprise, 30 kilos. Regardez. Et sur le coup, je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, c'est quoi Socom ça, ou je sais pas quoi. Je sais pas ceux qui font Socom. Je me suis dit, ça ressemble à un jeu de guerre. Et là, avec la deuxième partie, au niveau genre, première partie, vous pouvez vous la jouer un peu action comme ça, deuxième partie, un peu infiltration. Et là, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à Ghost Recon Future Soldier, dans les animes et tout, ça a l'air, mais ils ont pas leur équipement. Et puis la troisième partie, où on peut foutre le dawa pas possible, là j'ai dit si, c'est obligé, c'est Ghost Recon ça. Ça c'est Ghost Recon, et ouais, c'était bien Ghost Recon. Donc ça s'appelle Ghost Recon Wildlands, et ça a l'air d'être une tuerie. Voilà, la surprise, la claque, je l'attendais, c'est celle-là. Ghost Recon Wildlands, j'attends, je le prends direct, il a l'air énorme. Vraiment énorme, c'est le genre de jeu que je kiffe ça, plein de choix, machin, tout ça, donc, ouais. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont pas montré d'Assassin's Creed Syndicate. Ils ont pas passé une genre 5 minutes ou quoi que ce soit, nous faire une petite présentation d'un nouveau gameplay ou
voilà, comme d'habitude. Ça m'a surpris et aucune des conférences d'ailleurs ne l'a fait, sauf Sony, mais c'était même pas pour montrer du vrai gameplay. Donc surpris. J'ai l'impression qu'ils y croient pas du tout à leur nouveau jeu AC là, et que c'est juste un Assassin's Creed de suspicion comme ça, après Unity, entre les deux. Il y a eu le Unity, après il y a le 1.5 là, et puis il y aura le vrai qui va arriver après. Voilà, j'ai pas l'impression qu'ils y croient des masses à leur jeu. Pourtant ils auraient pu le montrer. Ubi, sinon la conférence elle était pas trop mal, il y a eu du jeu encore une fois, du jeu, c'est ce qu'on attend, donc c'était plutôt cool. Des jeux qui m'intéressent, il n'y a pas eu de Watch Dogs 2 non plus, et je déplore qu'il n'y ait pas eu de nouveau Splinter Cell. C'était un jeu que j'attendais, mais il n'est pas là. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'ils foutent chez Ubi et pourquoi on n'en a pas encore maintenant, alors que bon, le dernier date de 2012, sorti 2012 ou 2013, un des deux. Et moi je l'avais kiffé et j'en attends vraiment un autre qui pousse encore plus les limites de l'infiltration comme ça. Les trois choix, c'était vraiment super de se dire on peut la jouer vraiment Snake, bon, Sam, mais c'était cool. Donc bonne confi, Ubi. Et puis on passe à la conférence Sony. Sony qui a fait plein d'annonces inattendues ou attendues. Alors ils ont commencé directement par mettre deux petites claques sur les deux fesses à Ubi et puis à EA en disant vous avez montré Mass Effect et puis plus qu'ils ont montré ça se part. En premier, ben moi je montre The Last Guardian. Voilà. Halo 5 c'est pareil, c'est bien mignon, mais nous on montre un jeu. Voilà, The Last Guardian, avec une date de sortie approximative, 2016. Donc ils ont toute l'année pour le peaufiner. Donc sur PS4 bien évidemment. Claque, voilà. Voilà, c'était ce qu'on voulait voir, en tout cas ce que je voulais voir. C'est beau, c'est ouais, il n'y a pas d'HUD, on a l'air de vraiment être dans ces ruines à se démerder, et ça c'est vraiment cool. Ça m'a plus fait penser à Ico qu'à Shadow of the Colossus, mais c'est pas un mal. Shadow of the Colossus, ça va être plus peut-être pour les interactions avec la bête. Je crois qu'il s'appelle encore Trico. Enfin, il n'a pas l'air de dire Trico, mais le gars, je sais pas s'il parle vraiment dans la langue. Genre grimper, tout ça, les trucs comme ça dessus, ou le fait de mimer aussi les actions pour que la bête comprenne ce qu'on veut dire. D'ailleurs, la bête, les animations étaient vraiment superbes. Là où j'ai un petit reproche à faire, c'est que la scène de gameplay montrée, c'était, on aurait dit la scène du trailer de 2009, dans ces ruines. Alors, a toujours les mêmes couleurs, tout ça. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus beau. Du coup, ça se verra que ce sera un jeu PS3 porté, passé sur PS4. Mais ça reste beau, ça reste impressionnant, ça reste bandant. Voilà, bandant. Par la suite, il y a Guerrilla Games qui est venu pour montrer son nouveau jeu. Alors, c'est pas Killzone, c'est une nouvelle licence, c'est pas du FPS, c'est du TPS. Et ça s'appelle Horizon Zero Dawn. Et ça a l'air juste méga super cool. Là, pour le coup, la claque de la conf. Voilà, Horizon. Contrairement à Microsoft avec son Record et Dark Souls 3, ils ont montré du gameplay. Alors d'abord, on a eu la vidéo où ils expliquaient, genre, ouais, voilà, regardez, ça c'est le monde.
C'est le monde, le nouveau monde, où ça se passe je ne sais combien d'années dans le futur. Avant il y avait des villes, tout ça, avec de la lumière. Après d'un seul coup ça a été les ténèbres, plus d'électricité. Tout le monde est parti, ils ont quitté les villes, la nature a repris les droits. Et voilà, mais en attendant il y avait, il y a des espèces de dinosaures, au lieu que ce soit des dinosaures faits de chair et d'os, et bah, c'est des dinosaures faits de matière mécanique quoi. Et là on a vu des gameplay et c'était kiffant, c'était vraiment génial, c'était beau, c'était très très beau. Alors oui, il y a toujours les mêmes questions, est-ce que ça tournait bien sur une PS4 et pas un Supra PC de la mort? Je pense que ça tournait sur une PS4, parce que mine de rien les consoles next-gen elles ont mal dans le cul, il faut juste les pousser un peu, elles ont sauté qu'à leur deuxième année, donc ouais. Je pense qu'elles ont donc et que ça tournait sur une PS4. Mais le gameplay était vraiment chouette, on voit un peu les codes des anciens jeux, genre regardez là c'est rouge, c'est là qu'il faut tirer, c'est le point faible du truc, et puis récupérer les pièces d'équipement carrément des ennemis pour en faire des armes en plein comme ça, enfin ouais franchement. Chapeau guérilla, là, vous sortez des FPS génériques et classiques, donc chapeau. Il y a eu une vidéo d'Hitman après, avec un design mais dégueulasse de l'agent 47. Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire, alors c'est une espèce de reboot, d'après ce que je vois, mais ça revient aux origines. Donc, à part ce design de merde, alors c'était qu'un trailer CG, mais à part ce design, bon, on n'a rien appris de toute façon, hein, mais bon, ça donnait envie parce que c'est le nouveau Hitman, et puis surtout ça revient aux origines, c'est pas comme Absolution, comme c'était assez linéaire, tout ça, donc là c'est mieux. Après. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont parlé de Destiny The Taken King, qui serait une extension. Moi, je joue pas à Destiny, mais j'aime bien le jeu. J'ai pu jouer chez un frangin, donc c'était chouette. Et là, ils nous parlent de Final Fantasy, comme ça, tranquille. Alors, je crois qu'avant, il y a eu des trucs, mais je sais plus quoi. Ouais, mais ils ont parlé de Final Fantasy, ils nous ont montré un nouveau Final Fantasy. Alors ça s'appelle World of Final Fantasy. Alors c'est un Final Fantasy pour tous. Voilà. Ton chien peut jouer, ta mère peut jouer, ta soeur peut jouer, ton grand-père peut jouer. Tout le monde peut jouer, il n'y a pas de problème. C'est un jeu pour casual, pour découvrir Final Fantasy, tout simplement, avec une chasse aux monstres. Donc il y aura la possibilité, par contre, de changer apparemment. Un coup on est mal fait en espèce de design kawaii dégueulasse, et une fois on est assez bien fait, on devient grand et visiblement les monstres pourront nous monter dessus, on pourra monter sur les monstres pour taper les autres quoi. Donc faut voir un petit peu comment ça va se dérouler tout ça. Putain, je crois que je vais devoir couper et recommencer, j'ai l'impression que ça bug. Donc j'arrête la vidéo et je la reprends juste après. World of Final Fantasy.